Une semaine du petit elfe ferme l'œil. Olé Ferme-l'œil toucha tous les meubles de la chambre de sa petite seringue magique. Voilà, parti au mariage de souris. D'abord, ils passèrent sous le parquet, dans un long couloir, juste assez haut pour que le dé à coudre pût passer. Est-ce que ça ne sent pas bon ici? Dit la souris. Tout le couloir a été enduit de couenne, on ne peut pas faire mieux. Comme vous avez là de jolies jambes maigres, dit la dinde. Combien en vaut l'une? Quoi, 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 ricanaient les canards. Mais la cigogne fit celle qui n'avait rien entendu. Vous pourriez bien rire avec nous, dit le dindon. Car c'était très spirituel. Ou bien peut-être n'était-ce pas d'angoisse relevé pour vous qui êtes si haut perché. Thank you.
La poule est une femme raisonnable, dit la poupée Bertha. Moi non plus, je n'aime pas voyager dans les montagnes pour monter et descendre tout le temps. Nous allons tout simplement nous installer là-bas, sur le gravier, et nous nous promènerons dans le jardin aux choux. Merci à toi, vieil arrière-grand-père, mais moi je suis encore bien plus vieux que toi. Les Romains et les Grecs m'appelaient le dieu des rêves. Olé, ferme l'œil, partit là-dessus en emportant son ombrelle. Voilà, ceci est l'histoire d'Olé, ferme l'œil. Il viendra sûrement ce soir vous en raconter lui-même bien davantage.